Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Vous le savez sans doute, je suis un gros fan de Saint Seiya Awakening, le jeu mobile. Et cette semaine, sur la version globale du titre, on peut enfin tenter d'invoquer Shiryu le dragon avec son armure divine. C'est un véritable meta-changer que je vous recommande d'intégrer à la plupart de vos teams en ce moment. Pour résumer, c'est un tank qui peut donc encaisser les dommages, mais aussi prendre une partie de ceux qui sont infligés aux personnages qui sont sur sa gauche et sur sa droite. Il est capable de se soigner tout seul, et enfin, il riposte aux attaques ennemies sous certaines conditions en faisant de gros dommages. Malheureusement, il coûte très cher en tome bleu. Je vous propose de découvrir tout de suite son invocation sur la version SEA du jeu. Allez, on est parti. C'est le grand moment qu'on attendait tous. Alors j'ai déjà un petit peu invoqué, hein, comme on peut le voir, j'ai déjà 61 shards sur 120. Mais je suis reparti pour un tour parce que j'y croyais vraiment que j'allais avoir ce Shiryu du dragon. Comme vous savez, le moment des invocations dans Saint Seiya Awakening, c'est un moment un petit peu spécial en fait. Alors oui, on claque des étoiles. Mais par contre, il faut bien avouer que le côté un peu thrilling, comme on dit en anglais, un petit peu vibrant, on ne sait pas trop si on va avoir quelque chose, ou si on ne va rien avoir, ou si on va avoir le perso qu'on veut tant, le perso du moment. Et là, pour le coup, on était sur Shiryu du Dragon, donc, qui est sorti il y a déjà quelques mois, il me semble, hein, en tout cas plusieurs semaines, sur la version SEA. Il arrive enfin sur la version globale, et du coup, je vous montre l'invocation que j'en ai faite. Lorsqu'il est sorti sur la version SEA, parce que moi je suis plus sur la version SEA, même si je joue un petit peu sur la version globale, mais beaucoup moins. Ma meilleure box, elle est très clairement sur la version SEA. Et là, on a déjà quelque chose, c'est un Aiolo Sagittaire, qui est toujours plutôt pas mal, en tout cas sur la globale, il l'est. Donc c'est toujours bon à prendre, on va pas se plaindre. Hein. Après, ça doit être la deuxième, non, troisième multi peut-être. C'est plutôt pas mal de déjà avoir un S compte tenu de leur taux de drop. Là, on a mon nombre de shards qui continue à monter. Et j'y crois toujours, hein, je pointe pas le dragon. Cette fois, j'avais envie de pointer mon signe astrologique, le scorpion. Il faut croire en soi, les enfants. Et ça tombe là toujours pas. Hein. C'est un peu triste, c'est même assez moche là, puisqu'il n'y a même pas de 3 étoiles. C'est très triste. Quoi qu'il en soit, la multi et le succès de ce pool va bientôt arriver, puisque je crois que c'est maintenant que je l'ai. Voilà, enfin, Divine Claws Dragon Shiryu. Personnage vraiment exceptionnel, un véritable couteau suisse qui est évidemment plus axé sur la défense, mais qui, plus il prend des dommages, plus il va pouvoir répondre aux attaques ennemies en contrant, enfin pas en les contrant, mais en répondant aux attaques ennemies. Lorsque vous avez placé des petites marques de dragon sur les personnages visés, vous verrez, il est absolument exceptionnel. Le personnage est juste magnifique, vraiment. Et voilà quoi. En gros, j'étais très très content de l'avoir, enfin de pouvoir l'intégrer à ma team. Comme je le disais, malheureusement, il coûte très très cher en tome en fait. En gros, faut le jouer en, je crois, en 3, 5, 1, 5. Voire même 4, 5, 1, 5. Donc autant dire que c'est extrêmement cher en tome. Et par contre, il vaut le coup. Et surtout, il s'intègre très très bien à la plupart des teams. Et c'est des persos comme ça qu'on apprécie dans Saint Seiya Awakening. Voilà, peut-être que je ferai une petite vidéo review du perso pour en parler, je verrai. En tout cas, voilà. J'ai eu mon petit Shiryu et j'étais très heureux. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce et à vous abonner, histoire de m'encourager à continuer à faire des petites vidéos commentées comme celle-là. Allez, je vous souhaite à tous une excellente journée. Ciao !